poursuivre. Armand, ouais. Naturellement, tous vos tableaux ont du sens, on a bien compris. Et pourtant, j'aimerais que vous nous en commentiez un, celui qui vous a peut-être le plus touché ou qui fait plus sens que les autres. Vous avez choisi l'homme. Il me touche tous, hein, parce que pourrait celui-là pourrait me toucher aussi beaucoup, ou d'autres. Mais celui-là, il me touche, mais en même temps, parce que voilà, chez nous, ma mère qui venait en fin de compte d'Alger, mon père était là à Paris, mais il était de Russie, il n'y avait pas de livres, il y avait quoi, des nous deux. Et donc, si je n'avais pas une nature un peu plus forte dans ma famille, je ne me serais pas battu pour découvrir. Donc, j'ai été chercher la culture. Et en fin de compte, pour moi, le livre, l'importance de ce tableau, c'est la rue presque. Hein. Ça, c'est notre monde intérieur, on ne sait pas, c'est des portes qu'on a en nous. Et c'est aussi le soleil, hein, c'est la lumière. Et en fin de compte, l'importance de ce tableau, c'est si on a tout perdu, au moins notre grand capital, qui est mon capital, mais le capital de tout le monde, c'est le livre, c'est le testament de nos morts. C'est ceux qui ont écrit. Et à travers l'humanité, une société, si elle n'avait pas eu de livre, on serait dans une société de la barbarie totale. Et ce que font les pays totalitaires, quand ils arrivent au pouvoir, ils brûlent les livres. Et on a interdit des siècles à des gens de lire des livres. Et quand on veut maintenir une population dans une forme d'esclavagiste, hein, et ça pourrait se faire en France, hein, c'est qu'on empêche les livres de circuler. Et donc, je pense que le plus grand capital de l'humanité, c'est le livre, je pense. Si on est pauvre, il faut toujours avoir des livres et il faut donner des livres dans les familles. Donc pour moi, ce tableau symbolise l'importance du livre, mais dans toutes les nations, dans toutes les communautés. Toutes les communautés. Alors, ce tableau m'a beaucoup touché. Et celui-là, la différence, c'est que quand j'étais enfant, on nous a dit, un médecin m'avait dit, vous les juifs, vous serez tous des tailleurs. Comme si on était une civilisation, on ne pouvait rien faire d'autre. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, je ne serais pas un tailleur. Et en grandissant, en fin de compte, j'honore mon père, parce que moi, je suis fier d'avoir eu un père tailleur, et de tous les tailleurs, de tous ceux qui sont tailleurs. Et l'importance aussi, quand je suis en colère, ça m'arrive, je peux devenir un tailleur sur le plan artistique et plastique, c'est-à-dire j'ai construit des grands personnages avec des toiles de jute et je couds. Donc, en fin de compte, je ne suis pas devenu ni un tailleur ni un styliste, mais j'ai gardé la fibre. Et donc, à cause de ce médecin imbécile, ce qui me permet d'avoir pensé à... Et en fin de compte, c'est tous les métiers aussi manuels, c'est-à-dire nos pères se sont battus avec les métiers manuels pour qu'on existe, et c'était des métiers quand même difficiles. Et quand ils quittaient leur pays, ils avaient une paire de ciseaux dans leur valise. Et moi, si le ciseau danse, parce qu'il n'existe plus, en tout cas, il n'existe plus comme travail, il existe comme imaginaire. Et moi, les ciseaux, ce sont des danseurs, parce qu'ils sont dans mon esprit, ils n'existent plus comme fonction. Donc, c'est dans mon imaginaire, je fais ce que je veux des ciseaux. Et je pense que, en fin de compte, quand je regarde les ciseaux, j'ai l'impression que c'est un couple. Alors, dans ce tableau, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, au départ, c'était une toute petite photo noir et blanc. Et moi, je connais bien, comme je disais tout à l'heure, le noir et blanc. Je sais que le cadavre, c'est toujours marron, c'est un gris foncé. Le ciel, c'est un gris clair. Et j'ai restitué, en fait, cette photographie par les couleurs. Et je sais, et donc là, c'est une famille d'Algérie, c'est-à-dire ma famille. Et en fait, dans ce tableau, ça représente une famille, c'était un juif Pâques, ça finit. C'était en 1935. Et donc j'ai interprété les personnages, parce que comme je suis d'une mère qui est d'ailleurs, c'est toujours nous sommes nés en France, mais nous sommes de mères d'ailleurs. Et donc j'ai essayé de ressentir ce que pouvait être cette ambiance d'ailleurs, et peut-être que ça peut me faire rapprocher de ma mère, car je saurais toujours qu'elle était d'ailleurs, mais je ne saurais jamais ce que c'était. C'est grâce à une photographie que je peux interpréter, et j'ai voulu démontrer que par ce tableau, j'ai aussi cette appartenance, ce côté méditerranéen, mais ça pourrait faire réfléchir au déjeuner sur l'herbe aussi, qui a beaucoup existé dans la peinture aussi. Et en fin de compte,
c'est au départ, d'ailleurs on voit tous les regards, qui regardent comme s'ils regardaient l'objectif, c'est une photographie en réalité, mais qui devient une peinture. Et c'est extraordinaire de se dire que les gens ne savaient pas qu'un jour ils seraient dans un tableau. En lui. L'homme sur la croix en lui, pourquoi? Pourquoi j'ai donné ce titre-là? C'est parce que, en fin de compte, pour moi, ce qui était important, c'est-à-dire, toujours dans mon enfance, je suis né dans un monde judéo-chrétien, et donc l'influence des sœurs de Saint Vincent de Paul, que j'ai beaucoup vues, ont influencé certainement ma mère à une époque, car c'était des femmes qui n'étaient pas très riches à l'époque. Et donc, ce monde judéo-chrétien, et je me suis dit que la souffrance de se déporter, mais quand même, il a un regard, et bien c'est aussi l'image du Christ, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le Christ aussi a été à un moment donné crucifié ou brûlé, je ne sais pas. Et en fin de compte, je me suis dit que toutes les souffrances se chevauchent. Et il n'y a pas une souffrance, toutes les souffrances sont importantes, aussi bien ce qu'il y a eu au Rwanda, ou l'élimination des Juifs de l'Europe centrale. Et en fin de compte, pour moi, il y a toujours cette dualité du monde juif. Il y a toujours cette croix, et ça me fait souvent penser à Lustiger, qui à la fin de sa vie, quand il est mort, il a demandé le Kaddish. Il a eu le Kaddish à sa mort. C'est-à-dire, en réalité, même si on peut se convertir, parce qu'il y a eu beaucoup de conversions pendant la guerre, et en réalité, on reste ce que l'on est, mais en même temps, nous avons toutes les influences. Et moi, ma grande influence en France, ça a été le monde chrétien, au départ, aussi. À un moment donné, il fallait bien que je retrouve mon identité. Et je l'ai retrouvée, cette identité, en allant à Jérusalem, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il n'y a pas de problème d'être ce que l'on est et qu'il faut accepter ce que l'on est, si on est juif, africain, musulman, et qu'en réalité, ce sont des complémentarités du monde, mais en même temps, ça forme une seule unité, c'est-à-dire déporté sur la croix, comme une crucifixion, c'est une humanité, c'est une unité. Mais les différences existent, mais quand même, c'est une unité parce que l'humanité existe par sa complémentarité. Mouvement autour de la...